C'est aussi un autre dossier. Les habits n'ont pas allé. Et brièvement, quand un PDG a son attaque, il y a un c'est une grande injustice. D'abord, hier, la direction générale de Sonata, on a donné comme un live, on a comme le PDG de Sonata, qu'il a accordé un entretien Liberté, qui a été publié le dimanche dernier, le dimanche, on était le 27 février. L'entretien, d'ailleurs, a défrayé la chronique, elle a suscité une énorme polémique au sein du Sérail algérien, parce que l'interview a dit, Monsieur Tofik Haka, le PDG de Sonata, il a pris le parti de il a impliqué l'Algérie dans le conflit ukrainien. L'Algérie est prête à donner davantage de gaz à l'Europe, à fournir davantage de gaz à l'Europe au cas où la Russie décide de riposter aux sanctions occidentales et de couper le gaz russe aux pays européens, ce qui va plonger encore une fois l'Europe dans une crise énergétique sans précédent. Ce que Tebboune, le chef de l'État, ne l'a pas dit. Ce que le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Amara, ne l'a pas dit. Ce que le Premier ministre, Emmanuel Abdelrahman, ne l'a pas dit. Il le dit, nous sommes aux côtés des Européens, nous allons donner plus de gaz, nous sommes prêts à fournir davantage de gaz. Qu'est-ce que la polémique où Fembli, il a fait une connerie, il a dit une bêtise, parce que cette prise de position, elle viole la neutralité de l'Algérie, encore une fois, qui est une position historique. L'Algérie est toujours neutre dans les conflits, elle appelle à la paix, ni elle ne se mêle pas. Deuxièmement, c'est un coup de poignard. C'est une trahison à l'égard du partenaire historique qui est la Russie, qui est le premier fournisseur de tous les armements de l'Algérie et qui est le premier partenaire politique sur les questions géopolitiques et géostratégiques majeures du monde. Donc, tu veux, il a voulu que l'Algérie se positionne en faveur des pays européens contre la Russie, qui est notre allié historique. Ça a été repris par toutes les agences de presse internationales, ça a été repris par même les médias étrangers, BFM, Figaro, même les médias italiens, français, allemands, etc. Rien que l'Algérie est de notre côté. L'Algérie va nous donner du gaz pour nous soulager dans cette guerre que nous menons contre la Russie, parce que les pays européens sont les alliés de l'Ukraine. Bon. C'est Liberté qui a falsifié mes propos. Ça se met donc le lundi 28 février, il y a eu une plainte qui a été déposée par la direction générale de Sonatra contre le quotidien de Liberté. En plus, le 1er mars, une responsable de l'APS, et une responsable qui est la directrice adjointe du service information de l'APS, elle a été limogée. Hauzouha, parce que Galoulha, Ntiya, les Djouwisti, tu es la responsable du service information. Ntiya, Djouwisti, elle a la dépêche sur l'interview de la PDG de son attaque. Ou, ensuite, c'est à cause de l'APS, ou la grâce, je sais pas de quel point de vue on se place, contre l'APS diffuse une dépêche, ça veut dire c'est le porte de l'APS, encore une fois, c'est l'agence de presse gouvernementale, c'est l'organe médiatique du gouvernement algérien. C'est le porte-parole du gouvernement algérien. Donc, il y a une caution morale de l'APS qui a été apportée à cette interview. Du coup, l'AFP et les autres médias internationaux ont repris l'information et les propos de Tofik Haka, PDG de son attaque. Ensuite, il y a les médias nationaux qui ont repris massivement. Galek, non. Galek, elle n'aurait pas dû passer cette dépêche. Je haouzou Hamskin al-Malal Makhloukha, qui est une simple responsable, je ne veux pas citer son nom. Mushkin Malaw Shahnaya. Haouzouha. Mais, elle n'est responsable. C'est pas elle qui a accordé l'interview. هي واش دارت يا على الحقره سي يا كلكان كي فو ليموجي سي بي دي جي دو سون اتراك تو لي حكا سي با لا ريسبونسابل دو لا بي اس لا ديريكتريس ادجوينت دو لانفورماسيون على بي اس واش الغلطه تاعها خلت انترفيو والانترفيو حط لا ديريكسيون جينيرال تاع سون اتراك حطوها سور لا باج فيسبوك وين تو بو كليكي سور ان لين بور لو تيليشارجي دونك ايز اسوم le contenu de l'interview. Le dimanche 27 février, la direction générale de Sonatra, elle n'a pas démenti les propos de l'interview. Elle a démenti le titre. Le titre, c'est pas nous qui l'avons choisi. Ok, mais le contenu, vous l'avez, puisque vous avez diffusé l'interview sur votre page Facebook. Et puisque vous avez
Donc, si vous l'assumez, si vous diffusez l'interview sur votre page Facebook, qui est la page Facebook officielle de Sonatrach, donc c'est le canal de communication officiel de Sonatrach. Cela signifie quoi? Cela signifie que la direction générale de Sonatrach a relu cette interview et elle a validé son contenu. Vous êtes l'un des journalistes de Liberté à confirmer sur Facebook, il s'appelle Ali Boukhlef. C'est un jeune journaliste que j'apprécie beaucoup, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler les années précédentes, quand j'étais en Algérie, il y a 3-4 ans de cela. Il a lui-même dit sur sa page Facebook, parce qu'il travaille à la rédaction, c'est l'un des responsables de la rédaction d'Algérie, du quotidien francophone Liberté, qu'il a fait une interview, les propos ont été bel et bien tenus par le PDG de Sonatrach, où les propos ont été tenus dans une interview qui a été faite par écrit, donc il y a eu un écrit. C'est-à-dire, les questions par écrit, ou il a répondu par écrit. Donc, il y a une traçabilité, donc il n'y a pas de falsification des propos, il n'y a pas eu de mensonge. Ça, c'est un journaliste de Liberté. Ali Boukhlef est plus que journaliste. Il est l'un des responsables de la rédaction du quotidien francophone Liberté. Donc, c'est plus que, c'est pas un simple journaliste. Il n'est pas l'auteur de l'interview, il fait partie de la rédaction en chef de Liberté. Donc. Au lieu de demander des comptes, au lieu que le gouvernement, au lieu que la présidente de la République, au lieu de demander des comptes à Toufik Hakkar, à la direction générale de Sonatrach, on va demander des comptes, on va menacer Liberté, parce qu'il y a la plainte, donc ils doivent aller en Liberté. Vous avez fait une manipulation médiatique, vous avez voulu attenter à la stabilité du pays, et vous avez voulu impliquer l'Algérie dans un conflit qui n'a pas lieu. Donc ils doivent aller en. Mais le premier responsable, c'est le PDG de Sonatrach. Le mara hadi li hawsou fi la pièce la mahgoula, ou la menhbhomch ma3t la pièce, ou ghish jma3t la ana kan jait li la pièce lik nghlqouha ou nreddouha un parc d'attractions parce qu'elle ne sert à rien. C'est une agence de presse des plus mauvaises, des plus médiocres, aucun professionnalisme, mais je qui kono mahgourin, nqoulha bli mahgourin. Tahqrou. Rahi mahgoula, elle n'a fait que publie une dépêche qui reprend le contenu d'une interview validée, assumée et diffusée en partie aussi par la direction générale de Sonatrach. Là en Algérie, mais maintenant, on sacrifie les petits pions parce qu'on n'ose pas s'attaquer au PDG de Sonatrach qui est protégé par des gens au sein de la présidence, qui est protégé par des gens au sein des services de sécurité, par des officiers au sein des services de sécurité, parce qu'on n'ose pas s'attaquer à lui, ou là on n'arrive pas à s'attaquer à lui, ou là on a peur de s'attaquer à lui, on sacrifie un petit pion, c'est une simple responsable de l'APS, on menace des journalistes de Liberté, et on essaye de faire croire aux Algériens, mais il y avait une manipulation médiatique. La seule manipulation qu'il y a, elle a été faite par le PDG de Sonatrach, qui ouvre tout le temps sa gueule. Chauve-Echmer, les derniers temps, le PDG de Sonatrach a été plus médiatisé que le président de la République, que le Premier ministre. T'as vu les cérémonies d'asport, t'as vu le Covid-19, t'as vu n'importe quelle activité, t'as les caméras, ils jouent, t'as la presse, ils jouent, la publicité, pas un site internet. Ils ont fait un site internet qui a été financé par un lobbyiste, proche de Toufik Hakkar, juste pour contrecarrer Algérie par ses dénonciations et ses révélations sur la direction générale de Sonatrach. D'ailleurs, un site spécial, juste pour faire la promotion du PDG de Sonatrach et de son clan. Si maintenant, au sein de l'État algérien, il y a que des poules mouillées, personne n'est capable de rappeler, c'est un PDG. C'est un PDG de Sonatrach qui est dans la politique, ou il y a le Covid-19, ou il y a le football. Il y a un politicien. N'allons pas sacrifier une femme à la PS, ne lui enlevons pas son salaire, ne la privons pas de son gagne-pain, ne sacrifions pas sa carrière, ne sabotons pas sa carrière, ou là son emploi, ou là son travail, ou là sa vie, juste parce qu'on veut préserver la tête d'un PDG, ou d'un haut responsable du régime. Parce que le PDG de Sonatrach, c'est un haut responsable du régime. C'est le poste à date le plus important que celui de ministre, ou là même de premier ministre, parce que Sonatrach, c'est le poumon économique du pays. C'est une véritable injustice. C'est une véritable injustice. Moi, j'appelle, où sont les nobles? Où sont les hommes? Avec un H majuscule. Où sont les valeureux de notre pays qui ne parlent plus, qui se taisent devant ce genre d'injustice? Voilà. J'espère que vous avez partagé notre coup de gueule. Sinon, je vous donne rendez-vous demain pour un autre live. Et pour notre communauté algérienne en Ukraine, je tiens à dire qu'il y a énormément d'opacité. Qu'il y a une telle aubette qui est là. Ou telle aubette qui est là.
Maintenant, nous allons continuer à enquêter, et nous allons continuer à investiguer, et nous demandons au ministère des Affaires étrangères de faire son travail, de communiquer correctement, clairement, et de mettre en place un programme qu'on peut superviser, qu'on peut surveiller, pour rapatrier nos concitoyens. Et d'ailleurs, encore une fois, je lance un appel à tous les Algériens qui sont en Ukraine, prenez contact avec nous, si on peut vous aider, on est là, on connaît des associations, on a des contacts, si vous avez des témoignages à nous faire, faites-le nous, aidez-nous à rétablir la vérité, aidez-nous à vous aider. Voilà, c'est simple, aidez-nous pour qu'on puisse nous-mêmes vous aider. Parce que si vous restez tout seul, chacun est de son côté, il travaille dans le sous-sol, ou là, il joue la frontière, vous allez vous cacher en Pologne, et vous vous dites, ah, je vais rien dire, vous remarquez des pratiques anormales, illégales, illicites ou là, immorales, et vous ne dites rien, vous allez porter préjudice à celles et ceux qui ont réellement besoin d'assistance, qui ont réellement besoin de l'aide de l'État, qui ont réellement besoin de l'intervention de nos services consulaires pour qu'ils puissent avoir la vie sauve. Donc, s'il vous plaît, ne vous taisez pas. Pour parler de la Pologne, il y avait un grand poète polonais qui avait dit un jour, le mal existe parce que les gens du bien ne font rien ou laissent se taire. C'est pour ça que le mal existe. Donc, s'il vous plaît, appliquons cette fameuse citation de ce poète polonais, puisqu'on nous parle de l'Europe de l'Est, ne laissons pas le mal triompher lorsque nous n'aidons pas le mal, ne participons pas au triomphe du mal avec notre silence complice.